Hi, salut, rebonjour à tous. On sait que vous allez bien et on vous dit encore merci de nous suivre une fois de plus dans notre capsule À votre avis. Aujourd'hui encore, on est là pour une question. Voilà, la question d'aujourd'hui est celle de savoir ce que vous pensez du dicton de certaines femmes selon lequel l'argent que l'homme travaille est pour lui et sa femme, tandis que l'argent que la femme, elle, travaille est pour elle-même et ses propres besoins. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Aïe, aïe, aïe. ce n'est pas la femme qui le dit, hein, parce que vous avez l'habitude de dire c'est la femme. Ce n'est pas la femme qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Ouais. C'est Dieu qui, parce que Dieu a dit, l'homme, tu vas t'occuper, tu dois t'occuper de ta femme, c'est ton devoir. Alors, si j'ai décidé de travailler, comment tu vas dire que mon agent, c'est ton agent? Mon agent, c'est mon agent. L'agent de la femme, c'est l'agent de la femme. Par contre, l'agent de l'homme, c'est l'agent de la femme et l'agent de l'homme. Pourquoi? Je m'explique. Nous sommes d'accord que les hommes ne savent presque pas gérer certaines choses. C'est la femme qui gère la maison. C'est la femme qui gère certaines choses dans la maison, les ustensiles de cuisine, embellir la maison, les rideaux et tout ça, la décoration quoi. Si tu travailles ton agent, si tu ne donnes pas la femme pour remplir tout ce qu'elle doit remplir, comment ça va se passer? Par contre, l'agent de la femme maintenant, elle peut avoir son agent et elle décide d'embellir sa maison, elle décide d'aider son mari si elle veut. Mais que l'homme ne mette jamais dans sa tête que l'agent de sa femme, c'est son agent. Non. Parce que l'agent de la femme, c'est l'agent de la femme. Et l'agent du mari, c'est l'agent du mari et de la femme. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas la femme. Ne nous embrouillons pas. Ne compliquons pas ou alors ne nous prêtez pas les idées. Ce n'est pas la femme qui le dit, mais c'est Dieu. L'homme doit s'occuper de la femme. Donc, par conséquent, l'agent de la femme, c'est l'agent de la femme. Et l'agent de l'homme, c'est l'agent des deux. Voilà. Moi, c'est ça. Ok, voilà, vous avez écouté comme moi, elle dit, selon elle, l'argent de l'homme, c'est pour l'homme et sa femme, tandis que l'argent de la femme, c'est son argent à elle seule. Voilà, et vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? On attend vos réponses en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos pages qui s'affichent juste en bas là. Voilà, bonne journée et à demain pour une nouvelle question. Bye bye!